La Birmanie. Oh, j'avais juste assez de miles. Ouais, juste. Oh, j'avais jamais été aussi loin. Je suis jamais vraiment revenue en fait. Ah, Ibiza, la plage, la voiture de location, vous vous souvenez? Les assurances de ma carte, ça rassurait la famille. Et surtout ta mère. Alors, j'attendais mon vol. J'étais avec mes deux enfants, 2 et 4 ans. Au bout d'une demi-heure, c'était déjà impossible. J'avais des miles, alors j'ai embarqué tout le monde dans le salon. Et là, le calme après la tempête. Ah si, en 2011, 6 mois d'attente, mon billet en 3 fois sans frais. Et après, Auckland, le temple du rugby, un stade bouillonnant, les All Blacks, les Bleus, du jeu quoi. Et les larmes à la fin. C'était bien la Finlande ? La nuit polaire. Ouais. Alors, on avait perdu notre carte. Et bon, 2 jours après, on en avait une nouvelle. Plutôt 2 nuits après. 2 nuits, ouais. C'est ça. Le jour de son anniversaire. Et la panique, pas de resto. J'ai pensé fine dining et ils m'ont recontacté vraiment rapidement. 2 étoiles à 2 pas. Il a souri tout le repas. C'était le plus bel anniversaire de mon père. Oui, je me souviens. C'était en fin de journée. J'étais au rayon surgelé. Elle était là. Je terminais mes courses, elle terminait les siennes. La caisse, ma carte. Moi, j'ai tout de suite pensé miles, voyage. Je lui ai souri. C'était il y a 2 ans et on rentre de voyage de noces. C'est pas mal, non ?